Je suis Jonathan Capron, j'habite Ménil, j'ai 35 ans, je suis éleveur de chevaux boulonnais. J'ai choisi cette race parce que c'est un cheval de la région Nord-Pas-de-Calais et il faut défendre les races que nos anciens ont préservées. Donc le cheval boulonnais, c'est un cheval originaire du Pas-de-Calais, donc de Boulogne-sur-Mer. Il a été destiné pour le transport maritime, surtout pour le transport de poissons. À l'origine, la race était à 80% de couleur. Nous avons sélectionné cette race d'année en année, tirée vers le blanc. On dit blanc, mais en réalité c'est gris, pour le voir plus la nuit. La présentation fait énormément. Donc on va chercher à avoir un cheval distingué, avoir du dos, des membres. Et surtout, nous, la race boulonnaise, la distinction dans la tête. Ça et les oreilles. Nous sommes très, très difficiles. On ne sait pas estimer exactement le nombre de chevaux boulonnais, car il y en a qui ne font pas de concours. On imaginerait à peu près entre 400-450 juments dans le Pas-de-Calais. En 2020, on estime avoir à peu près 150 naissances. J'ai fait mes premiers concours à l'âge de 12 ans. À 20 ans, j'avais mon cheval. Après, j'en ai eu deux, ainsi de suite jusqu'à maintenant. Nous travaillons, nous faisons beaucoup de concours. J'ai remporté, grâce à mes chevaux, des médailles. On monte, on attelle, nous faisons du spectacle et de l'élevage en priorité. Nos perspectives pour les années à venir sont de refaire des concours, de promouvoir la race et de pouvoir montrer nos chevaux boulonnais dans toutes ses formes. Nous tenons à valoriser cette race pour arriver à augmenter l'effectif et essayer d'en vivre de notre race. Parce que ça devient très dur d'en vivre. Nous sommes tous obligés de travailler à côté. Donc il faudrait qu'on arrive à trouver du débouché pour les races de chevaux de trait en général. Nous avons les aides, on arrive à vivre quotidiennement, mais le sens, ça serait de vivre notre passion et notre travail tous les jours sans aide.